Donc juste un trophée pour voler un popcorn. Allons-y. Ah oui, je me souviens de cette cinématique. Mais regarde, le volcan entre en éruption. Bah voilà. Rien à foutre. Alors, bon, ce niveau, ni je l'aime pas, ni je l'aime bien. Il me laisse relativement indifférent. Je sais pas pourquoi je vous donne mon avis au début de chaque niveau, alors que vous en foutez, mais je le fais quand même, car c'est mon guide. Bonjour, Spyro. Je suis bonjour, Looney. J'ai peur qu'elle n'ait été annulée. Ces stupides terraformeurs ont rallumé le volcan. Les fameux modeleurs de terre, qui s'appellent maintenant terraformeurs. C'est plus court à dire. Petit joyau de 10, bien timé. Et son pote vient de mourir sous ses yeux, il s'en balèque total. C'est exactement ça. Bon alors, je t'explique. Tu vas mourir, mais... bizarrement. À l'aide d'une boule de feu. Donc lui, il peut la porter dans les mains, ça le gêne pas. Par contre, toi, tu te le prends sur la tête, tu meurs. La logique. Voilà, tout va bien. Donc ici, les bestioles pour Sparks sont des escargots. Et il y a ceux-là qui balancent des trucs, je sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est sûr qu'ils les balancent. Oui, je les balance. En fait, c'est des bébés terraformeurs. Cette latence, je n'y ferai pas. L'enculé ? Ah d'accord, il faut t'avoir aux cornes, toi. Tu crains pas le feu. Bon, d'accord, d'accord. Il y en a encore un, non ? Ah non, c'est lui qui danse depuis tout à l'heure. Tout va bien. Y'a pas d'escargot là? Non? Ok. Bon, alors. Niveau de grimpette. D'ailleurs, ouais, y'a un truc où il faut voler, je crois. Non, mais descends, Spyro, s'il te plaît. Je t'en remercie. Alors, joyeux, joyeux, joyeux. On va voler en face. Même là, dans l'angle. Et là-bas, on a, bah pareil, j'aime bien ce coffre à joyaux-là, en fait. Je le trouve stylé. Par contre, il est ultra relou, lui, à faire son bruit de cheval depuis le début, là. Papillon ! Sur la tête. Même pas. Il m'oblige à redescendre, le truc ? Non, ça va. Pas le joyau par terre. Après, je sais pas si je peux remonter sur l'autre côté quand même. Donc, oh, je suis tombé tout seul, comme un gland. Non, non, je n'ai pas du tout inversé un L et un R. Alors, attends, là, je peux pas aller sur le côté. Hein. J'étais pas très loin, n'empêche. Hein. Mais bon, normalement, c'est pas par là, je crois. Non, décroche-toi, Spyro. Ah oui, c'est avec la musique, elle fait des bruits chelous. Je voudrais bien voir la gueule du mec derrière un micro qui a enregistré ça pour la musique. Alors je dois faire quoi pour musique? Bah écoute, imagine t'as bu trop de coca. Et puis voilà, on est bon. Très bien. Ne dis pas un mot de plus, je sais ce que je dois faire. Tac tac. Il manque des trucs. Par exemple un joyau rouge. Et normalement, il y a une plateforme devant, non? Mais oui! Il faut savoir papillonner! Normalement, je crois que le jeu fait plus ou moins en sorte qu'elle te tombe pas dessus, mais moi je trouve ça drôle d'essayer de faire en sorte qu'elle te tombe pile dessus, justement. Oh, mais j'ai presque oublié ça. Presque. À mon tour! Bam! Voilà, Miley Cyrus le savait depuis le début. Wrecking Ball. Et toi, c'est quoi déjà? Ah, c'est plus loin. C'est encore plus loin? Ah oui, un marteau piqueur dans le dos. Écoute, un marteau piqueur dans le dos.
J'ai jamais essayé, tu me diras. Il paraît qu'il faut, il faut pas dire j'aime pas tant qu'on n'a pas essayé. Mais quand même, je suis sceptique quant aux bienfaits de cette pratique. Bon, je suis obligé de descendre parce que j'ai un peu oublié les joyaux qui étaient là. Donc je vais devoir me refaire le tour, je crois. Je passe là. Ah ouais, je dois m'en faire tout le tour en fait. Voilà, tant pis. Par contre, ouais, ça m'énerve que Spyro est obligé d'aller plus bas pour se décrocher en fait. Sinon, il reste complètement accroché au barreau. C'est pas grave, mais du coup, bon, c'est un peu chiant. Alors, on va faire d'abord le vol. Le vol à l'aveugle, je crois. Ah, et puis il y a gros sous ici, je crois. Saut avant l'heure, c'est ça. Descends, voilà. On va faire le vol à l'aveugle. Pour la partie avec chasseur. Non! J'étais pas très loin. Parce que je suis pas très fan de ce mini-jeu, il est pas évident. Et il y a un trophée donc pour voler un cristal de popcorn à chasseur. Waouh! Alors. Bon, généralement je vais en piquer un quand même toujours, mais on sait jamais. Si je le rate, ce serait con, ça m'obligerait à recommencer. Je regarde s'il n'y a pas d'autres joyaux avant de lancer le mini-jeu. Non, hein, c'est bon. Ok, je suis là, chasseur, prêt à t'affronter. Ah, Spyro, regarde la grotte que j'ai trouvée. Jouons un petit jeu. De temps en temps, un morceau de pop-corn cristallin jaillit du sol. Le premier qui en prend 10 a gagné. J'adore la grotte de glace juste dans le volcan. C'est quand tu veux. Bah, c'est... je veux. Alors, c'est pas si évident d'avoir les 10 avant lui. Ah, putain. Attends, je vais essayer tout de suite de lui piquer un. Je sais pas si ça a compté celui-là, du coup. Non, ça a pas dû compter. Eh, j'essaie de t'en piquer tout le temps, la chasseur. Putain, il y en a deux quand même. Ah bah non. Ah mais je vais perdre. Non mais je... Tant pis, c'est pas grave. Là, je veux juste lui en piquer un. J'ai complètement raté. Vas-y, tu vas où. Là, et là, ça compte. Voilà, petit filou, tube. C'est bon, le trophée, je l'ai. Maintenant, je vais essayer de rusher. Enculé. C'est lui qui m'a piqué cette fois. Là, il y en a un. Ok, je suis à 7, mais lui aussi. Ah! Fumé. 8. Là. Non mais tombe. Je l'ai. Voilà. Bon, tu as gagné. Voici un orbe. T'as l'air très content. Bon, c'était le mode facile. Et j'ai le trophée, c'est bon. Mais par contre, maintenant, je te donnerai un autre orbe si tu parviens à me battre. On monte à 15 cette fois. Tu es d'accord? Oui. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Bon, là c'est plus dur maintenant. J'en ai deux. Putain, je voulais lui piquer, j'ai raté. Non! Oh le con! Non, hé! Je l'ai eu! Putain, pourquoi je peux pas faire comme le gardien de hockey et te cramer un bon coup? Là. Ok. 4-3. Ouh! C'était beau ça! T'as bien le seum, chasseur? Bon, là non. Là non plus. Trop juste. Là oui. Là trop loin. Lui, celui-là, il est là. Là. Ok, tu as 8. Celui-là, je te l'ai piqué sous le nez aussi. Celui-là, tu l'as. Y'a pas de doute. Celui-là, c'est moi. Voilà. Celui-là, c'est le mien. Tu l'auras pas. 11. Ah merde, je croyais qu'il sortait plus loin. Je l'ai. Celui-là aussi. Celui-là, il l'a eu. Ah vas-y, place-toi à l'avance là où il va popper. Hein. On voit pas du tout que t'es un PNJ comme ça. Et voilà, 15. Tu es très fort.
Il va falloir que j'invente des jeux plus difficiles. En attendant, prends cette orbe. Tu l'as mérité. Je sais. Nickel! J'ai fini le mini-jeu, j'ai pas trop galéré, c'est bon. Bon, bah voilà. Maintenant, il y a gros sous, et puis il faut rentrer dans le volcan. Est-ce que je peux y retourner depuis là? Non, bah non, puisque je suis parti de plus haut, c'est complètement con comme question. Donc, allons-y, on retourne. Bonne chose de faite ce mini-jeu. Parce que je sais que j'ai déjà galéré dessus. Sur PS1. Hein. Oh, qui voilà! Gros sous! On se passait de toi. GG first try, c'est vrai. C'est pas si souvent. Ah, mais c'est mon meilleur client! Mais bien sûr! Dans la pièce suivante, un ascenseur peut te conduire au volcan. Tu peux avoir un accès illimité à l'ascenseur. Contre quelques gemmes. 200 gemmes à l'ascenseur. C'est un plaisir de faire des affaires avec toi. Va bien te faire mettre. Monte dans l'ascenseur et il te conduira jusqu'en bas. Quand tu voudras revenir, monte de nouveau dedans. Oui. Si tu veux. J'ai tellement envie de faire des charges de front partout. Par habitude. Hashtag Richard, évidemment. Je sais pas pourquoi j'attends. Allez, donc. Ici. Ouais, alors, on va déjà faire le tour des joyaux. Après, faut grimper en haut du volcan. La boule, elle est... D'accord. Pas passé loin, j'allais dire. À ce niveau-là, c'est un euphémisme. Je peux revenir là, quand même, rassure-moi. Oui. Je sais plus où était le début. J'y suis revenu là. Hein. Ouais, c'était. Si, c'était là où il y a l'échelle. Donc je fais le tour pour rien là. Voilà, ok. Donc, il faut monter tout en haut du volcan en évitant les goules, évidemment. Pour l'instant, ça va. Évidemment, plus on monte, plus elles vont tomber rapidement. Voilà, on arrive là, alors. Là, il vaut mieux rester au milieu. Et monter petit à petit en se tournant. C'est juste quand même. Hein. Allez, c'est bon, j'y suis presque. Voilà, j'ai fermé le volcan. Parce que oui, on peut faire ça. Merci d'avoir fermé le couvercle du volcan, Spyro. Le couvercle du volcan. Commençait à faire un peu trop chaud. Tiens, voici un talisman que je gardais pour la célébration. Je crois que tu le mérites. Faut monter en bas. Mince, je me suis fait avoir. Je croyais que c'était en haut. Bien, alors maintenant. Super charge activée. Enfin, pas super charge, mais super recharge. Qu'il s'agit d'un super vol. Salut Spyro, tu arrives juste à temps pour la fête. Enfin, ce serait le cas si ces horribles monstres de lave n'avaient pas volé nos chapeaux. Sans chapeau, les fêtes sont tristes ou nettes. Je suis bien d'accord avec toi. C'est le seul truc qui manque pour une fête, c'est les chapeaux. Alors, allons-y. Donc eux, on peut leur cracher du feu, certes, mais eux... Tu peux pas leur cracher du feu? C'est uniquement les boules. Bon bah alors, c'est uniquement les boules et c'est moi qui confonds. Donc on prend les boules qu'il y a là. Et puis bah, faut les viser, hein, y a, voilà, tout simplement. C'est-à-dire pas du tout comme ça. Putain, j'en ai eu zéro, hein. Ça part très très bien. Alors. Je surveille un petit peu quand même la jauge de vol parce qu'elle est assez longue. Mais si j'ai plus la jauge de vol, je tombe comme une merde. Donc, on va faire gaffe. Ah, non. Ouais. On va peut-être essayer de trouver Sparks, non? Très bien visé. Très, très bien visé. Hop, en direct. Ah, merde. J'ai dit qu'il fallait que je fasse gaffe à la jauge.
J'ai dit il y a quelques secondes. Non. Et c'était chaud. C'était vraiment juste là. Voilà, boule. Final à la belle boule. Je sais pas combien il m'en manque. Oh là là. Bon, on va repasser par là. Hein. Tant qu'à faire. J'ai pas celui qui est au bout du tunnel, je crois. Hein. Enfin, de ce tunnel là. Voilà, quand même. Ah ouais, j'en suis pas à la moitié, hein, tout va bien. Bon, il y a lui aussi. Oh putain, je suis passé à côté. Prends ça. J'ai baissé la moitié de la jauge, il va falloir que je me recharge. Et je viens de passer au-dessous. Voilà, lui je l'ai eu, j'ai complètement raté l'autre boule évidemment. Il faut que je recharge quand même. C'est où? Merde, c'est là. Voilà. Je pense que les autres sont plus bas parce que depuis le début je suis assez haut. Voilà, oui, ils sont tous là. Je dirais pas non à une boule en fait. Voilà, on va s'occuper de celui qui est à mon niveau qui est assez haut. Lui que je crois que j'ai essayé de toucher 3 fois. Pour rien. Il m'en reste 4. Dont 3 que j'ai vu en bas. Et le quatrième doit être pas loin non plus. Alors les boules. Aïe. Voilà. Ok, les deux derniers sont là. C'est pas compliqué. Faut juste que je tourne et ma recharge devrait tenir assez en plus. Allez, le dernier. Et je crois que ça me TP directement en haut après. Mais il faudra que je redescende pour les joyaux. Mais ah ouais, j'ai un ascenseur. Allez, t'es où? T'es là. Voilà. Merci Spiro, tu as sauvé la fête. Tiens, ce truc a été mélangé aux apéritifs et j'ai failli me casser une dent dessus. Ça aurait été dommage. Ok, j'ai toutes les boules de ce niveau. On va récupérer les joyaux que j'ai fait tomber en crevant les ballons. Et on sera bon normalement. Hein. Là. Et il me manque 10. Et voilà. Dans l'ascenseur. Niveau terminé à 100%. Donc c'est bon, j'ai tous les joyaux, toutes les boules et le trophée. C'est stylé en fait, il faut prendre la super vol pour sortir. Tu casses tout mon effet toi. Voilà, je l'ai quand même pris. Ils ont leur chapeau. Ils sont bien, hein. Soyez amis avec eux.